retrouve pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche 28. On est dimanche? Ah oui, dimanche 28 mai déjà. Ça passe trop vite. Je suis en train de défaire le lit de Maëlia parce qu'on va changer son lit. Et Maëlia va récupérer l'ancien lit de Tati Ambre qui est plus grand. Voilà, un lit en 140. Et du coup on attend Tati Ambre, elle va m'aider à le transporter. On va l'installer et puis on verra un peu ce que ça va donner pour la chambre. Donc voilà. Oui. Ça va Maë? Oui. Oui. Maë avec son bonnet de nuit. Elle est contente parce que je lui ai commandé un jean. J'ai fait une commande Vinted et la dame vendait un jean aussi en XS de chez Jennifer. Ça va, ça me va bien Jennifer. Ouais, je pensais que ça serait grand, mais finalement ça lui va plutôt bien. Je vous montre ça. Alors voilà ce que ça rend, le petit jean de chez Jennifer. Allez, on s'attaque, on défait les lattes. Et Maëlia m'aide. Elle est trop gentille cette petite. When it seems like you have lost control and you feel like you're alone, when you lost something worth fighting for, do you take it as a low? All I need is another chance, get back up and make amends. Ça y est, le lit est monté, le matelas est installé. Tati Ambre est venue pour nous aider. Ouais. Merci beaucoup. Ah, on a un peu beaucoup galéré. Merci beaucoup pour ton aide, parce que ça aurait été encore plus difficile. Et comme nous avons ta chambre avec nous et qu'on adore ouvrir les Neon Box avec, eh bien, oui, on va ouvrir celle du mois de mai. Mai. C'est celle du mois de mai. Donc, let's go. Alors déjà, on sait déjà quelle est la figurine. On savait déjà qu'il y a une dinguerie. On va vous montrer directement ceci. Donc, au niveau de la figurine, on était déjà au courant qu'on allait avoir celle-ci. Voilà, celle de Kuroro Lucifer de Hunter x Hunter. Elle est trop belle. Je vous la montrerai déballée. Ah, ça a l'air sympa. Oh, c'est une petite peluche de l'attaque des titans. Et donc on a eu la peluche d'Anzi. Moi j'ai eu un tapis de souris. Oh, il est beau. City Hunter, donc c'est Nicky Larson. Bah, il est trop beau. Maman, c'est pour ça, c'est du thé vert. Ah, c'est du thé vert. Alors moi j'aime pas le thé vert. Ouais, moi j'aime pas trop, mais peut-être que des invités auront envie de thé vert. Donc le petit paquet de thé, donc thé vert, fraise, melon. Ouais, c'est oui. Ça. Ok, bon ben finalement je pense que je vais goûter. Alors c'est... Ah, c'est la boîte à thé du coup, non? Ah, c'est une boîte à thé, oui. Trop mignonne. Donc l'objet traditionnel, c'est la petite boîte à thé qui est toute mignonne. Et donc ici c'est assez lourd, on n'a pas eu la gourmandise? Non. Si, c'est le ah thé. Oui, c'est le thé. Oh! C'est qui? Chainsaw Man. On a donc un petit verre en céramique Chainsaw Man. Il est trop beau. Et coucou, on se retrouve quelques jours plus tard. Nous sommes la fête des mères et on s'apprête à aller manger chez ma maman aujourd'hui. Hier on a fait quelques petits achats, mais je pense qu'on vous montrera au retour du repas. Donc let's go, on va pas tarder à y aller. Miss Maëlia, es-tu prête? Oui. Elle est prête, t'as tout pris? Oui. Ok, donc on vous amène avec nous comme d'habitude pour ce petit repas en famille et let's go. Et on est arrivé chez mamie. On va se régaler. Et nous avons grand-mamie déjà à table. Ah oui, j'ai fait. Alors au menu, nous avons de la poularde faite par grand-mamie qui sent trop bon. De la salade. Ça c'est des panisses. Des panisses. Des panisses. Ok, super, on va se régaler comme d'habitude. Miam miam. Ça te plaît, Maë? C'est la farine de pois chiche. C'est la première fois qu'elle goûte. Et c'est l'heure des cadeaux. Et c'est Maëlia qui fait la distribution. C'est le Père Noël de la tête des mères. Merci, chérie. Alors, ça c'est grand-mamie.
C'est pour grand-mamie. Ça aussi, c'est pour grand-mamie. Oh là là. Oh, quel est gâté. C'est beau en plus. Et ça, c'est pour toi, Maria. Ah non, non. Ouais. C'est pour moi. Merci, le petit cadeau de l'école. Oui. Fait à l'école par Maëlia. Alors, de la part de tonton Maxou. Oui. Hein, alors, regarde. Le frère de, mamie. Non, le fils de mamie. Le frère de mamie. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est grand mamie. Et oui, tu es mamie, hein. Et le fils de grand mamie, donc, du coup. Voilà. Super. Ah, qu'est-ce que c'est? Je suis contente. Ah, mamie. Alors, t'as eu le DVD de la dame qui marche pas. De Tina Turner, en hommage oui, à cette grande chanteuse qui nous a quittés. Vous voulez que je te prenne un bouquet de fleurs? Eh oui. Pour faire ça, ouais, hein. Ouais, ouais, ben super. Oh, que c'est joli. Et ça, c'est moi, voilà. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Une petite déco. Voilà, regarde. Trop, trop bien. Tequiero, mama. Alors, c'est le tour de mamie. Donc, de ma part, voilà. Eh oui, de ma très chérie. Eh oui. Ça, c'est pour que je sois encore plus belle. Voilà. Eh oui, pour la retraite. Oui, ils sont très beaux, les coffrets Rituals. Ouais, ouais. Vraiment beaux. Voilà la viande. Un joli coffret. Bon, on a trouvé que ça sentait bon, ça sentait le frais. Ouais. Avec Maëlia. C'est à base de la viande. Hein. Ouais. Et voilà, un coffret joli de 4 produits Rituals. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. De rien. Voilà, la Martinique, hein. Pour cet été et vacances. Voilà, c'est le format qu'il faut et tout. À sortir ta robe. La robe, c'est la collection 2022 de Lidl. Ah oui, ouais, ah ben bah, c'est sympa. Je le précise, c'était déjà le vert. Ah ouais, 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 super. Voilà. Allez, moi je vais ouvrir mon petit cadeau. Alors déjà, on a un peu moins fort. J'essaie d'enregistrer. Ah pardon. C'est pas grave. Alors, j'ai déjà une petite carte avec en forme de main qui forme un cœur. Merci. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah oui. I love you. I love you. I love you. Ok. Après, moi j'ai pris beaucoup de temps à faire ça. Et... Alors attends, je ne l'ai même pas montré. Oh, alors ça se présente comme ceci, c'est une petite enveloppe trop mignonne. Oui, et dedans il y a dessus. Il y a marqué Maëlia dessus. Oui, c'est pour c'est l'impresse. Normalement c'est ça qu'il doit ouvrir. Il est impatient de faire. Un petit bracelet. Oh, c'est joli. C'est vous qui l'avez fait à l'école. Trop ça, chou. On peut l'étendre et tout. Ouais. Génial, merci beaucoup. Ça fait tout choisir la couleur et ouais, tout. J'ai pris, il n'y avait pas de violet, du coup j'ai pris du rose. Ah, tu as bien fait, j'aime bien le rose. C'est joli. Ah, ouais, t'aimes le violet, Aurélie? Ah ouais, j'aime bien le violet, ouais. Et voilà le petit bracelet. Merci. Voilà, à ses mesures, ta maman. Et si j'écris Aurélie? Ah, super. Et le gauche, ben en tout cas, on souhaite aussi une bonne fête des mères à toutes les mamans. Oui. Et une pensée pour les mamans qui sont dans le ciel. Et on ne les oublie pas. Qui veillent sur nous. Et qui veillent sur nous, exactement. Eh ben dis donc, finalement, on se retrouve quelques jours plus tard parce que le soir du repas, on n'a carrément pas eu le temps de finir ce petit vlog. Je vous avais dit qu'on vous montrerait les petits achats d'été que nous avons fait. Alors moi ça va être très rapide encore une fois parce que j'ai trouvé qu'une seule chose et tout le reste c'est pour Miss Maëlia. On a besoin d'un petit peu renouveler la garde-robe étant donné qu'elle a bien grandi comme vous pouvez le voir, hein. Donc voilà, bon en tout cas moi je me suis pris cette petite chemise là fuchsia, j'aime bien, elle est en lin. Super agréable. Et du coup, qu'est-ce que t'as trouvé? Une petite chemise comme ça, Stranger Things. Voilà, il y a une collection chez H&M Enfant Stranger Things. Donc Stranger avec la petite chemise comme ça, super sympa. Elle en a profité pour prendre la petite jupe grise que vous voyez. Comme voilà. Ça. La robe Stranger Things. Voilà, la petite robe Stranger Things. Basique, hein, avec la petite écriture là. Et ici, il y a Netflix. Après, nous arrivons à Jennifer. Parce qu'elle est allée à Jennifer. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié Jennifer.
Alors, j'ai pris un débardeur blanc comme ceci. Et il y avait une offre, 3 vêtements achetés. Oui, un offert. Le troisième à 1 euro, oui, c'est ça? Oui, le troisième à 1 euro. Ouais, voilà. Comme on avait besoin d'un t-shirt blanc basique, oui. Ben, on en a profité pour prendre deux autres petits hauts. Comme ça, on en a payé un à 1 euro. Oui. Et c'est toujours bien de faire des économies. Oui, un autre, le même style que le blanc, mais en beige. Ouais. En beige, c'est trop beige. Un petit accessoire façon bandana, ça ouais, c'est pour le hip-hop. On va peut-être lui mettre dans les cheveux. Parce que pour la danse, cette année, il faut un bandana blanc. Alors, elle a son bandana blanc. Mais comme on a trouvé ça avant d'avoir le vrai bandana, on l'a pris. Donc, on verra après. Moi aussi, j'ai pris deux brassières. Ah oui, elle a pris deux petites brassières. Voilà. Et une noire. Voilà, brassière style un peu sport. Voilà, vraiment très simple. Très un petit peu ajouré ici. Ouais. Donc, voilà, ça en est tout pour les petits achats mode de cet été. Moi franchement il faut que je me prenne pas mal de hauts aussi. J'ai envie de changer un peu ce que j'ai dans ma garde-robe. Donc voilà. En tout cas on espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas laissez-nous plein de likes. Abonnez-vous, ça nous fait super plaisir et ça nous encourage. On vous fait des gros bisous et des gros câlins. Des gros câlins. Bye bye. Bye bye. Chance get back up and make amends. Try.